message de Dieu à tout homme et toute femme de la terre. Message à l'homme que j'ai créé. Message 8 sur 9. Message à tout homme et toute femme de la terre. Tu as besoin d'être dominé, rassuré et nourri. Jérémie 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'horreur, et soyez extrêmement asséchés, dit Yahweh. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Message à tout homme et toute femme de la terre. Tu as besoin d'être dominé, rassuré et nourri. Vêtu de majesté, de puissance et de force. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux? Même mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Tu es assis, revêtu de gloire. Le ciel et la terre n'existent que par toi. Ton nom est élevé au-dessus de toute autorité. Assemblés en ton nom, nous disons tu es. Tu es assis, ouh, revêtu de gloire. Je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites? Chaque jour, les 24 vieillards ne cessent de dire que tu es.